1881, Louise Michel écrit « Mais regardez donc ce qui se passe en Russie. Regardez le grand parti nihiliste. Voyez ces membres qui savent si hardiment et si glorieusement mourir. Que ne faites-vous comme eux? Manque-t-il donc de pioches pour creuser les souterrains, de dynamite pour faire sauter Paris, de pétrole pour plus en incendier? Imitez les nihilistes et je serai à votre tête. Alors seulement nous serons dignes de la liberté et nous pourrons la conquérir sur les débris d'une société pourrie qui craque de toutes parts et dont tout bon citoyen doit se débarrasser par le fer et le feu. Nous établirons le nouveau monde social. » Au commencement était la carotte. À l'époque des colonies, les ressources agricoles faisaient un très long voyage en bateau. La carotte, sorte de rouleau de tabac, permettait de conserver, stocker et transporter le tabac. Il était vendu sous cette forme, puis râpé à ses extrémités, afin d'être mâché ou fumé. Le tabac, produit en quantité industrielle, fut l'instrument de contrôle le plus anarchique de l'histoire du capitalisme, bien plus stable dans son mode d'action sur l'individu que l'opium du peuple cher à Marx. Le tabac fut instrumentalisé, il devient le syndrome ou le véhicule du plaisir, de la satisfaction, du contentement. Il ouvrait la voie à un nouveau rythme de vie programmatique, fait d'efficacité, basé sur la rationalisation de la détente, la comptabilité de l'oisiveté. Ainsi, le tabac, conditionné en carotte, est devenu carotte, comme la métaphore populaire l'a retenu, ce qui fait avancer l'âme. Il suffisait d'agiter devant le travailleur une forme de récompense sous forme chimique pour qu'il augmente son rendement. La pause cigarette était née comme instance de contrôle des cycles de repos dans le monde du travail. Ce sont les rapports biochimiques quotidiens du cerveau qui sont renversés par l'usage permanent de la nicotine par la population sur plusieurs générations, par une prise à partie du corps-esprit tout entier. La notion de rythme devient omniprésente et les comportements nouvellement conditionnés, notamment au niveau gestuel, sont à la limite du syndrome Gilles de la Tourette. Ainsi, le tabac, venant de la carotte, est devenu la carotte, et devenu ce qui est prélevé, avec ou sans consentement, ce qui est prélevé d'un sol riche en minéraux, ou ce qui est prélevé d'un étalage, l'objet de la carotte. Dans le cas du tabac, ce qui est prélevé par les pouvoirs publics et les grands industriels, c'est une petite part de contrôle de soi, une manière de dériver l'organisme afin de le soumettre à un rendement plus fort. Le glissement métaphorique récent du terme est si riche en métaphores. Se faire carotter est devenu synonyme de se faire baiser, se faire niquer, de se faire enculer. La locution actuelle « mettre une carotte » me conforte à penser qu'il y a une réelle perte de repère dans le langage entre contenant et contenu, entre ce qui est prélevé de force et ce qui est inséré de force. La carotte est donc un instrument de contrôle, d'autorité et déjà de punition. La carotte est un bâton. Non, la carotte est avant tout un légume de couleur orange vif, et ses feuilles ressemblent à du persil. C'est le légume des lapins. C'est un légume véhicule parce qu'il est déséquilibré dans sa composition plastique. Feuilles démesurées, corps moueux, malhabile. Du fait qu'il soit ridicule, il devient nécessairement chou. Pas le légume chou, mais le concept homonyme, l'exclamation francophone qui seul peut tenir lieu de traduction au paradigme kawaii du Japon, rendu en anglais par cute, du faible caractère monosyllabique du terme. Pour en revenir à la carotte qui a été l'industrialisation du tabac, car c'est de ce dont il s'agit, évidemment, ce processus doit être associé dans l'analyse avec l'industrialisation exponentielle et ses conséquences. D'un côté, les matériaux circulants dans le commerce sont homogénéisés, ils portent la marque du contrôle permanent sur la production. De l'autre, le travail devient programmatique sous le signe du concept de rendement. Cette idée programmatique comportementale a été mise et développée au cours du XXe siècle, notamment par un certain Norbert Wiener, inventeur du concept de cybernétique. Je reviendrai sur la cybernétique plus tard dans le développement, mais néanmoins il me faut indiquer que la cybernétique a pour objet l'étude de la communication et les interactions entre l'homme et les ordinateurs. Cette image, appliquée au système d'éducation adopté par les écoles d'art en France, nous permet une redéfinition immédiate du but de l'institution. On peut, par comparaison, dire que le système des écoles d'art en France a pour objet l'étude de la communication et des interactions entre l'artiste et le marché de l'art. Il s'agit pour chaque école de démontrer qu'elle est apte à introduire ses élèves dans le marché de l'art, d'imposer une forme de style, d'académie, ses caractéristiques. Si les travaux des élèves sont influencés par les références,
traversés par les mêmes questionnements, ils pourront être reconnaissables et faciliteront la classification de l'art en amont, permettant l'étape de rationalisation qui permet au public de s'adapter aux micro-modifications dans les tendances actuelles, elles-mêmes soumises, avec une latence de quelques années, aux politiques culturelles. Cet objectif est atteint au prix d'un certain dressage des étudiants, au terme desquels ils doivent être en mesure de s'auto-valoriser, tout en participant à la valorisation de l'école. Ce dressage porte sur la compétitivité et sur l'affirmation de soi, et dans une certaine mesure est un désapprentissage de toute tentative de travail de groupe. Il est à noter que la réputation de l'école permet à ce processus de dressage de s'initier avant l'intégration de l'école. L'idée même d'intégrer une école plutôt qu'une autre implique, pour certains, toute une fantasmagorie, ou plus précisément, une forme de mythologie. Il s'agit d'un mythe carriériste selon lequel l'individu est seul responsable de ses hauts faits. Il est apte à s'affirmer et à satisfaire toutes les opinions mondaines. On pourrait aller plus loin et dire quelque chose comme « Éduquer un artiste n'a rien, en dernière analyse, aucun rapport avec la transmission de connaissances techniques. Il s'agit de lui transmettre des valeurs dont il sera, pour le compte de la société et à titre de symbole, le représentant. Dans ce sens, il importe que l'artiste incarne des valeurs individualistes, car l'art partage avec le sport une certaine conception de l'exploit, de la performance hors norme, un idéal du chef-d'œuvre. Le monde de l'art, comme on le connaît aujourd'hui, s'est constitué à partir des révolutions successives et des avant-gardes dès le début du 19e siècle pour la tendance romantique et jusqu'à la deuxième moitié du 20e pour la codification générale de formalisme et d'art conceptuel. La forme actuelle du marché de l'art, particulièrement, très marquée par le modèle économique dominant, rend possible une véritable lutte. Les artistes sont subsumés, engagés au service d'institutions qui instrumentalisent les démarches et les sensibilités personnelles dans le cadre de luttes de valorisation plus globale. C'est ainsi que les années 70, sur le champ de bataille de la guerre entre l'art new-yorkais et l'art parisien, Paris, que les avant-gardes avaient pris pour un lieu de renouveau, et New York, représentant les nouvelles tendances de l'art, foyer des nouvelles définitions du terme avant-garde. Cette lutte a pour enjeu le contrôle des effectifs collectifs. La valorisation d'une œuvre singulière consiste, dans la démarche, à intercaler entre les strates des affects collectifs, de s'intégrer avec un affect collectif afin d'en devenir un représentant. Les étudiants en art vivent ce processus passivement pour la plupart selon le modèle choisi par l'institution à laquelle ils choisissent de s'affilier et de se fier. Ici aussi, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être si bien pourvu que même ceux qui sont les plus difficiles à contenter, en toute autre chose, ont point coutume d'en désirer plus qu'ils n'en ont. Et ainsi, chacun s'oriente dans l'obscurité, en route pour le succès. La récompense de la docilité d'un artiste, de la conformation de sa démarche avec un affect collectif, serait donc une forme de gloire. Mais il y a un moment où la récompense devient aussi l'outil du châtiment. Le marché, s'il est la seule ambition de l'artiste, devient un péril plutôt qu'un soutien. En effet, le marché valorise, mais il sait aussi sanctionner, au gré des fluctuations dans la production, certains éléments. La dévalorisation devient alors la hantise des artistes. Dans une course à l'ascension la plus rapide, c'est alors que frappe la durabilité. Les artistes, qui concilient trop intensément leur production avec la demande dominante du marché, se sabordent d'eux-mêmes, puisqu'ils seront aussi vite écartés qu'ils ont été rapidement hissés aux piédestaux les plus honorifiques. Car en effet, la valeur n'est jamais intrinsèque, elle vient toujours du dehors, et ce succès, qui se présente comme récompense, est en fait un danger réel, car l'individu se laisse aller à croire incarner l'affect collectif, et il s'en fout de peu pour qu'il inverse les valeurs et qu'il ait l'impression d'être à l'origine des poncifs qu'il utilise. Ce discours a pour objet une réflexion sur les conditions de possibilité du développement de manière nouvelle d'employer les outils de l'art, principalement en attaquant le paradigme de la personnalité autoritaire. Il s'agit là d'un archétype comportemental, un profil psychologique type. Mon hypothèse est que les écoles d'art transmettent cet archétype à des élèves dans la fonction sociale et de diffuser ce même modèle social de la personnalité autoritaire. À travers un dressage des apprentis artistes, les écoles d'art permettent de diminuer les fluctuations du marché national et s'octroient un certain contrôle sur le marché international, qui n'est rien d'autre qu'une lutte de valeurs culturelles prenant des formes esthétiques. C'est pourquoi j'aimerais utiliser les outils d'analyse les plus radicaux pour proposer une analyse générale du problème. La pensée anarchiste, dans ses développements initiaux, a très vite proposé une critique des processus sociaux de domination. En ce sens, la théorie anarchiste est basée sur la démonstration de l'illégitimité des institutions à tenir leur rôle et remplir leurs fonctions coercitives.
Je vais donc préciser quels outils d'analyse tirés de l'archive je compte employer, en rendant compte de la comparaison entre production industrielle et production artistique. Je m'attarderai sur l'exemple fourni par l'École des Beaux-Arts de Paris sur les systèmes existants en vue d'organiser la répartition inégale des chances aux étudiants. Pour commencer ma recherche, j'avais fait un petit diagramme de comment l'école fonctionne. Du coup, vous êtes un petit peu loin, vous ne pouvez pas voir, mais tout est expliqué. Là, il y a la direction, là, il y a les chefs d'atelier, ici, le secrétariat, ici, plutôt, tout ce qui est pôle technique, etc. Et donc, je me suis demandé un petit peu, dans ce schéma-là, où était l'art, en fait. Si on prend ce diagramme pour une représentation, une définition de l'art, où est-ce qu'on définirait l'art? Alors, si on définit l'art comme étant ce qui se passe entre les lignes, ce qui est un petit peu impossible à attraper, il faudrait que ce soit là où il y a la plus grande concentration de blanc. Donc, j'ai dit que ce serait ici. Donc, l'art, selon le schéma de l'école, se situe entre la gestion financière, les responsables de pôle technique et les chefs d'atelier. Voilà. Le questionnement qui est un petit peu sous-jacent à ça, c'est qu'est-ce qui distingue l'art du non-art, où est-ce qu'est la limite? Et comment est-ce qu'on emploie quelqu'un à être un vrai artiste, pour former des vrais artistes? Qu'est-ce que le vrai art? Comment s'assurer que les étudiants fassent du vrai art? Comment enseigner le vrai art? Dans cette école que j'ai étudiée pendant 5 ans, qui s'appelle l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, de la France, de la capitale, d'où on voit mieux le sens de la nation. La France est construite comme une espèce de triangle avec à sa tête Paris et le reste c'est des provinces. Les provinces de quoi? Les provinces de la capitale probablement. On peut donc miser que l'École des beaux-arts de Paris transmet cette idéologie-là de centralisation. Donc la première chose que je devrais vous dire c'est que pour décrire l'idéologie intrinsèque à cet établissement, je vais essayer de détailler un petit peu la mythologie sur laquelle elle se base. La première figure mythologique en question, c'est la figure de la hiérarchie. Je ne parle pas de la hiérarchie comme étant quelque chose de palpable, je ne parle pas des rapports de pouvoir directement entre des individus là, mais juste le concept même de hiérarchie entre des gens. Il faut imaginer que hiérarchie est pris là dans le sens inverse de anarchie. Alors la hiérarchie telle qu'elle est perçue ici, elle se construit sur un héritage de plusieurs centaines d'années, qui est l'héritage principalement de la Renaissance et de cette période-là. Donc on est dans une vision de l'art quand même qui est assez guidée par les propos de quelqu'un comme Alberti. La philosophie et la science ne sont pas opposées strictement, l'art est aussi une science en soi, puisqu'on essaye de tendre vers des outils objectifs de représentation. Donc Alberti, la perspective, c'est bien le passage du paradigme tactile. Hein. On pourrait dire qu'avant l'art était tactile, on mettait peut-être beaucoup plus d'art dans la rue, on mettait pas ça dans des musées, dans des églises peut-être. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas aussi compartimenté qu'après la Renaissance. Donc là, on est passé de l'art fonction tactile à la fonction visuelle, où finalement, ce qu'on voit, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une hiérarchie des sens qui est l'objet en fait du monopole dans l'art. Donc, quand on est passé au paradigme visuel, on est passé à la suprématie de la peinture, surtout. Du coup, le sens visuel étant le plus important, selon tout le monde, apparemment, en sciences cognitives aussi, le sens visuel est l'exemple le plus fréquent et on vous expliquera que c'est parce que le cortex visuel est plus gros. Alors, du coup, ça, au niveau de la hiérarchie des sens, ça implique des choses très concrètes. La valorisation se perd plus facilement sur le contenu visuel que sur le contenu cognitif, par exemple. Cette hiérarchie des sens implique une hiérarchie des arts.
le règne de la peinture a eu, comme vous avez pu le voir tout à l'heure peut-être à l'écran, un effet dans votre public, qui était une manifestation des étudiants de l'école des Beaux-Arts en 1922, qui ont voulu manifester leur colère vis-à-vis des mouvements avant-gardistes qui avaient eu lieu. Donc ils font ça, ils appellent ça exécution symbolique du futurisme et du cubisme. On y voit des étudiants des Beaux-Arts avec des très grandes barbes, des grands manteaux déguisés de manière très loufoque, décapite une allégorie du futurisme. Donc on peut se rendre compte que les étudiants des Beaux-Arts ont un petit peu de retard dans la perception des événements, car en 1922, vous connaissez probablement cette date, parce que c'est le jour, enfin c'est la date, c'est l'année où André Breton a publié le manifeste du surréalisme. Donc on avait entre les deux le dadaïsme qui avait vraiment coupé les ponts avec l'académisme. Et les étudiants des Beaux-Arts s'en prenaient quand même au futurisme et au futurisme, à les comprendre. Quoi qu'il en soit, on a une hiérarchie des sens, une hiérarchie des arts, et ça implique une hiérarchie des individus. Une école du réalisme, une école royaliste, une école de la centralisation, donc une école de la personnalité autoritaire. C'est ce que j'essaie de vous dire. La hiérarchie entre les individus, Ça repose un petit peu sur l'idée qu'on pourrait mesurer le talent des gens. Alors qu'on va avoir des étudiants qui auront été sélectionnés et qu'après on va pouvoir mesurer leur talent. Avec quel outil, ce n'est jamais proposé comme quelque chose de palpable, mais le but quand même qu'on peut percevoir depuis le début, c'est le fait d'accaparer le monopole quoi, sur le marché de l'art national. Maintenant, on a ce phénomène de cote et l'internationalisation, la globalisation de l'art qui rentre en jeu aussi, mais l'important, donc, c'est que cette hiérarchie, ça mène, enfin, cette sculpte de la hiérarchie mène à une transmission de valeur assez individualiste, globalement. L'écriture de l'histoire de l'art a très tôt été subsumée par l'école aussi, de manière à intervenir dans la manière dont on jugeait l'impact des artistes dans l'histoire de l'art. Il y a eu une grosse césure à la Révolution française, comme vous le savez, probablement pas, ou peut-être oui, que l'école a en fait servi de sanctuaire à tout ce que les révolutionnaires iconoclastes essayaient de briser dans les églises. Donc la fonction de l'école a évidemment changé, je ne peux pas m'attarder sur ce point malheureusement. Mais du coup, malgré tout, la Révolution française a été pour la France l'occasion de réaffirmer son point de vue centralisateur, parce que au moment où on décide de ne plus faire résider le pouvoir au Louvre, on change de rythme et on va dans un palais d'une reine quelconque en face construire une assemblée nationale. Il est temps toujours que depuis le centre, depuis le cerveau, on pourra contrôler toutes les provinces et toutes les ressources. Évidemment, ça aussi, c'est un objet de pensée que l'école de Beaux-Arts est supposée transmettre. C'est sa fonction. Elle est au centre et elle doit transmettre une vision oligarchique du monde et elle doit justifier une certaine domination du marché. Quand les gens se rassemblent dans une capitale, ils contrôlent le reste et c'est comme ça. Tout ça se retranscrit par une forme de prestige royal qui est entretenu, grosso modo, généralement dans l'école, quoi, quelque chose qui a toujours été là. Je vais peut-être vous lire quelques note à propos de la fondation de l'école au XVIIe siècle. On retiendra la date de 1648 pour le début de l'école. Ça s'appelle donc au début l'Académie royale. Il s'agit d'aider les artistes à s'émanciper. À s'émanciper de quoi ? À s'émanciper du modèle des corporations. À l'époque, on a ces choses qui s'appellent des corporations qui sont plus ou moins, qui travaillent plus ou moins sur le modèle, on pourrait dire mutualiste dans le sens où ils centralisent à des corporations, à des micro-institutions, des talents et des tâches. Le modèle de l'école des Beaux-Arts se construit contre ça. L'artiste doit être génial. C'est quelque chose que François Ier s'est mis en tête quand il est devenu jaloux de l'art que produisaient les Italiens. Il a voulu que les artistes français soient aussi géniaux et aussi les artistes français aussi avaient le droit d'être anti-artisanaux et anti-professionnels. Donc ce modèle-là a été un petit peu transposé sans trop de consistance dans cette Académie des Beaux-Arts, qui s'est toujours constitué contre les corporations.
On a un livre de Thomas Gettgens qui s'appelle, je vous traduis ça vite fait, La tradition de l'anti-académisme au XVIIIe siècle dans l'art français. Parce que, du point de vue des corporations, qui formaient aussi des peintres et des sculpteurs, qui pouvaient être réalistes, qui suivaient des cours de morphologie, etc., l'académie était despotique, sclérosée, hégémonique. L'académie visait à transposer les artistes dans une autre catégorie juridique. Et ainsi, à participer à baliser le champ de l'art. Les statuts de l'Académie royale, en 1664, l'Académie royale des beaux-arts, mettent fin à l'existence d'une école de dessin qui avait été mise en place par les corporations. Cette école de dessin était publique et gratuite. L'école des beaux-arts ne l'était pas. Quelques années plus tard, enfin des décennies plus tard, en réalité, les corporations ont remis à jour ce projet-là. Et en 1776, l'école des beaux-arts a encore une fois interdit l'existence d'une école libre et gratuite. Donc on voit, lorsqu'on traverse l'école, un processus incessant de partage institutionnel entre le modèle artiste et le modèle artisan. Donc c'est vraiment le combat entre techniciens et artistes qui se joue depuis le début. Et ça a des conséquences très concrètes sur le plan juridique, notamment sur le plan fiscal, parce que les artistes ne sont pas tenus aux registres fiscaux que les artisans. Ça a été l'objet de ce que les beaux-arts ont essayé de construire. Je reviens un petit peu sur ce prestige royal. On se rappelle évidemment l'Académie, à l'époque, avait une résidence qui s'appelait la Villa Médicis, et qui était à Rome, et qui était le point de vue depuis lequel les Français talentueux devaient profiter de l'excellence italienne. Et donc, pour accéder à près de Rome, il fallait. C'était tout un truc, quoi, et ça se passait dans l'école, etc. Et du coup, ce processus d'écrémage, où tout le monde se bat et puis il n'y a plus qu'un vainqueur, a aussi laissé sa trace. À l'époque, on est dans une transmission de l'histoire de l'art qui est un culte des copistes. J'appelle ça le culte des copistes parce que, à l'époque, on disait c'est le prix de Rome. Tu vas aller à Rome et tu vas copier des chefs-d'œuvre et ensuite tu pourras nous les envoyer. C'était des envois de Rome. On a eu un diplôme de David Duchesne sur ce sujet-là. Une fois qu'ils avaient envoyé ça, ils étaient valorisés parce qu'ils étaient. Il avait joué le rôle, en fait, de Michel-Ange ou d'un autre. Donc, toute la valorisation passait par le fait de refaire toute la démarche, tous les hauts faits de ces héros. Et donc, tout ça en évincant ses adversaires, évidemment. Et donc, maintenant, évidemment, après la décolonisation, la Via Médicis a un poids, puisque le système français veut que la culture soit l'organe de colonisation réelle, effective, le seul persistant. Et tout ce qui était de l'Institut français, qui à l'époque aurait été vaguement l'Académie Villa Médicis, maintenant ça s'est disséminé de par le monde et dans toutes les anciennes colonies, la France peut encore exercer une forme de pouvoir symbolique grâce à ses instances de diffusion. Pour revenir à l'école, c'est une institution qui, depuis le début, a choisi de s'auto-légitimer. Une institution qui semble sécréter de la légitimation. Donc on se demandera pourquoi les gens, en revenant à cette école-là, chaque étudiant, cherche une forme de légitimation. Et pourquoi, ensuite, dans cette quête-là, ils cherchent à différencier leur démarche afin de s'approprier le produit du travail des autres. Dans un sens, l'école définit ce qui est légitime. Elle fait transférer une certaine autorité, un certain pouvoir, et donc elle exerce un certain contrôle sur les formes d'art existant. Pour ce qui est de la valorisation, l'école aussi cherche à fabriquer de la valeur. Évidemment, depuis le début, comme j'en ai parlé, l'école essaye d'intercéder dans les rapports entre le marché et les artistes, en essayant de construire avec l'école de corporation. Ce qu'on essaie de faire, c'est évidemment, au final, d'obtenir une part du marché. Obtenir une part du marché en créant une inégalité entre les techniciens et les artistes. Cette inégalité crée de la frustration qui crée un combat. Donc on est dans une lutte qui n'a pas de fin. Moi ça me rappelle un petit peu l'opposition machiavélienne entre fortune et vertu.
chez Machiavel, la fortune, c'est les conditions, le destin, on peut appeler ça Dieu aussi si on veut, c'est tout ce qui se passe, c'est le destin grec, un petit peu, comme ça, c'est la fatalité. Et de l'autre côté, on a la vertu qui est ce qui distingue l'être humain, le prince en devenir potentiel, de par la manière qu'il peut avoir de contrôler la fortune, en fait. Et ce modèle-là est complètement renversé actuellement, puisqu'on est dans un schéma où le succès, ça se voit à la richesse, qui se donc est signe de talent. Et c'est la manière dont on hérite maintenant de tout ce qui est la vie des illustres artistes et ce genre de choses. Les artistes qui nous ont marqués, c'est les artistes qui, comme une évidence, ont pu retrouver une place sur le marché. Et pour ce qui est de l'art en tant qu'il est en train de se faire, cette maxime semble, à mon sens, pour une grande partie de ce qui est le jugement esthétique des gens dans l'école, le fait que de l'argent soit généré par une pratique artistique est en fait la cause en fait, du fait qu'on puisse dire qu'il y a un talent. Donc cette institution s'institutionnalise, elle institutionnalise des choses qui pourront s'institutionnaliser entre elles. C'est très, très complexe, je vais un petit peu passer. Le fond quand même de cette première partie que j'essayais de vous faire, c'était qu'on essayait de développer depuis le XVIIe siècle dans cette école un mythe du génie triomphant. Donc, le génie triomphant, ce serait quelqu'un qui a un succès univoque et qui est à l'écoute de la nature et qui vibre et qui plie en fait l'intégralité du monde devant lui du fait de son don naturel. Après, on a quelqu'un comme Nietzsche qui nous dit le génie, c'est pas du tout ça, c'est pas quelqu'un qui sent mieux que les autres, c'est pas du tout quelqu'un qui pense mieux, c'est quelqu'un qui opère des sélections et qui fait valoir ses choix. Du coup, cette vision-là, vous vous rendez bien compte qu'elle explose complètement la possibilité même de parler de talent, puisqu'il s'agit que de faire des choix mûrement réfléchis. Donc, on est dans une espèce de dénonciation de cette substitution persistante entre richesse et talent. Je passe à la deuxième partie quand même, parce qu'il est un petit peu tard déjà. Les étudiants ne sont pas des victimes. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'institution manipule les étudiants qui se retrouveraient contre leur gré lancés sur le marché ou en contact avec des industries du luxe sans le vouloir, pris en otage dans cet étau entre l'horreur de la situation actuelle. Et l'éducation, quoi. En venant ici, j'ai certains enseignants ici qui me disent ça, et je pense qu'ils ont raison. En rentrant dans cette école, l'étudiant perd son droit à vouloir être révolutionnaire et à vouloir se révolter, puisqu'il cherche à aller vers le plus grand container de légitimité du pays, si on fonctionne dans ce système dont j'ai parlé, qui est centralisateur, et qui donc... Donc ça met vraiment tout le monde sur un pied d'égalité dans cette école, à dire que tout le monde cherche la gloire ici, et je pense que ceux qui répondraient non auraient quand même une certaine façon de parler de soi, puisque si on ne cherche pas une forme de légitimité, on n'a pas besoin de rentrer dans une école. Pour ce qui est de l'enseignement, c'est une autre chose, et moi, c'est pas du tout mon objet. Ce dont je vais parler, c'est le dressage, par contre. Alors comment ça se manifeste? À mon avis, ce qui est important de dire dans un temps réduit, c'est que le dressage, ça commence avant l'école. L'école n'est pas responsable de l'intégralité du dressage. Le système français fonctionne sur un modèle élitiste. On a donc ces choses centralisées qui s'appellent les grandes écoles, qui sont supposées contenir l'intégralité, ou en tout cas la majorité, de ce qui se produit de qualitatif. Et donc, pour rentrer dans ces forteresses, qu'est-ce qu'il faut faire? Probablement, la France a généré depuis longtemps le système de Cagne et d'Hippocagne pour ce qui est des grandes écoles comme on les entend normalement. Mais pour les grandes écoles d'art, un autre système a été mis en place plus récemment. Je pense que vraiment, on peut dire que les écoles d'art qui préparaient le Beaux-Arts au XIXe siècle étaient plus dans l'héritage des corporations. Maintenant, les écoles qui préparent aux écoles d'art, ce qu'on appelle les écoles préparatoires, sont aussi, il faut le dire, parce que quand même une énorme partie des gens qui sont dans ces écoles d'art centralisées proviennent de ces écoles préparatoires. Ce système de préparation-là, il travaille aussi le fond mythologique et le fantasme que chacun met dans ce que c'est que l'art.
Alors, dans l'art, on a toujours, comme je vous montrais sur le schéma tout à l'heure, on a toujours l'idée qu'il y aurait une espèce de liberté qui serait en jeu. Alors évidemment, ça aussi c'est l'objet d'un fantasme, mais donc dans l'école préparatoire, c'est ça qu'on va commencer par faire. On va commencer par faire fantasmer les étudiants sur le fait qu'ils pourraient acquérir une forme de liberté. Cette forme de liberté-là ne sera jamais définie, mais en tout cas, elle est mise en scène. Et le partage de l'honneur, qui est ce qu'on essaye d'entraîner dans les écoles préparatoires, on essaie d'entraîner les élèves à recevoir de l'honneur et à fabriquer de la légitimité, de la valeur, etc. Et tout ça, on le fait de manière complètement inconsciente, puisqu'on n'a pas vraiment de théorie de qu'est-ce qu'il faudrait préparer, quelles aptitudes il faudrait préparer. Comme je vous l'ai dit, je ne parle pas du tout du côté pratique des apprentissages techniques, là. Je parle juste de l'idéologie qui est sous-jacente à ça. La raison pour laquelle je parle pas de la manière dont on transmet la technique, c'est parce que je pense que c'est un champ beaucoup trop riche, et qui pour le coup est intéressant, mais qui est habité et dominé par ce modèle de la personnalité autoritaire. Et l'apprentissage se fait par l'expérience, l'ancienneté, l'endoctrinement individualiste, tout ça, c'est des choses qui traversent complètement notre société, et comme diraient certains, il faut apprendre à marcher sur les cadavres. Il faut apprendre à marcher sur les cadavres ou sur les croupissants, sur les gens qui sont potentiellement encore vivants. Il faut savoir écraser les autres. C'est ce qu'on apprend quand on cherche à rentrer dans cette logique compétitive. Cet endoctrinement individualiste, il n'est pas simplement présent dans les institutions, il est aussi déjà présent chez les gens qui s'orientent dans cette carrière. Pour ce qui est de l'école, pour revenir à l'école elle-même, dans l'école, on est quand même supposé préparer à quelque chose qui est une cérémonie, un rituel de passage, c'est la préparation au diplôme. Le diplôme étant l'estampillage final qui démontre que quelqu'un est bien dans ses facultés mentales et physiques, capable d'exercer le rôle social d'artiste. Donc évidemment, l'école doit, surtout l'école de Beaux-Arts, doit intercéder là-dedans et surtout pas laisser les étudiants croire que c'est complètement arbitraire. Donc on va prendre des spécialistes extérieurs. On va leur dire que eux, puisqu'ils sont extérieurs, ils sont neutres et qu'ils vont décider de qui est apte à être artiste ou non. Et dans une école comme la nôtre, plus que ailleurs, c'est intrinsèque à cette école. Il faut qu'il y ait une sorte de chose pompeuse qui se passe et qu'on décide quels sont les meilleurs diplômes. Parce que quand même, tout le monde veut savoir quel est le meilleur diplôme, non ? Et du coup, on va créer une forme d'auto-valorisation de l'école, rituelle, comme ça, qu'on va appeler la grande fête de kermesse de fin d'année, dans laquelle on va demander aux gens qui ont le plus plu à un groupe réduit de gens qui sont spécialistes, mais pour autant pas plus légitimes que d'autres, à prononcer un jugement esthétique relatif, on leur donne donc les moyens de faire une exposition, une deuxième exposition. Je vous invite à revenir d'ailleurs dans 3 mois. Et donc dans tout l'enseignement de l'école, on a cette espèce de fantôme du jury quand même, quoi. C'est qu'on dresse les élèves à recevoir un jury, à se comporter dans une exposition, à justifier leurs travaux. Et tout ça manipule des formes hiérarchiques, comme je vous dis. Et du coup, on va se demander, dans une école comme celle-là, qu'est-ce que c'est le pouvoir ? Où est-ce qu'il est ? Parce que le pouvoir, c'est pas simplement avoir le droit d'ordonner quelque chose à quelqu'un, c'est aussi la possibilité d'intercéder et d'empêcher des choses, comme je vous l'ai dit. Alors, il y a toute une tendance de cette école qui est, qui consiste en une apparence de capitalisation du savoir. C'est-à-dire qu'il y a des enseignements comme ça qui cherchent à endoctriner les étudiants de manière à leur faire croire qu'ils peuvent être dépositaires d'un capital de savoir. C'est-à-dire qu'une fois étant passés dans ce cours-là, on devrait nous-mêmes être estampillés, comme l'école nous estampille, à être un vrai intellectuel, selon la forme de la gloire triomphante de l'artiste à l'écoute de la nature. Ce modèle-là est persistant, existe encore et pose quelques questions. On peut dire aussi que ça implique une forme de conditionnement à répondre à des canons du savoir, hein, des canons du savoir qui excluraient certaines formes d'art, entre autres, hein, ou certaines formes de connaissances. Donc, depuis le début, et aussi depuis 1996, hein, je prends un peu 1996 comme une date marquante de l'histoire de l'école, parce que c'est après les 30 Glorieuses, il y a eu
de moins en moins de subventions vers les écoles d'art, c'est le moment où l'école d'art a dû essayer de trouver de l'argent ailleurs, en gros, quoi. Et c'est aussi le moment d'un renversement avec le numérique. Alors, on a un nouveau directeur en 1996 qui s'appelle Alfred Pacman. Alfred Pacman, la première chose qu'il va faire, c'est amener des cas comme Maurice Benayoun, qui est un artiste numérique à l'époque où l'art numérique n'existe pas, amené à l'école. Ce qui s'est traduit par un échec évident. La constitution d'un pôle pour étudier ce que pouvait être l'utilisation des nouvelles techniques dans les études a mis très longtemps à se mettre en place. Et pour vous dire à quel point c'est grave, la répartition du matériel audiovisuel à l'école pose énormément de problèmes puisque les étudiants n'ont pas même accès à la liste intégrale du matériel qu'ils pourraient emprunter. Évidemment, il serait facile de fabriquer un logiciel aujourd'hui qui permettrait aux étudiants de faire eux-mêmes leur demande de matériel, mais on nuirait à certains champs de pouvoir qui peuvent se manifester, car on est encore dans les oppositions entre art et technique. Et la technique, malgré toute l'inégalité qui génère de la frustration, elle a quand même un pouvoir sur l'art, c'est-à-dire que c'est la dialectique du maître et de l'esclave. Sans la technique, l'art n'est pas. Du coup, dans ce sens-là, on pourrait dire que la philosophie aussi, c'est une forme de technique, et que quand on va apprendre de la pseudo-philosophie dans un pseudo-cours, des pseudo-beaux-arts, on va surtout apprendre des armes avec lesquelles on pourra se battre. Alors ok, on peut se battre avec de la philosophie, on peut se battre avec de la technique, tout ça est très bien, grâce à cette division entre art et artisanat, en fait, qui est inhérente à l'école. Donc l'école qui est pleine de ce genre de filtres humains ou de groupements de gens qui vont essayer de s'accaparer des pouvoirs symboliques et d'intercéder, de prendre la parole plus fort que les autres à des moments où il faudrait plutôt être à l'écoute. Et donc ça me fait parler un petit peu de la politique de l'école et de comment on gère un petit peu la politique à l'école. Il y a plusieurs figures hein, de choses un petit peu politiques à l'école. On a certains profs de dessin qui peuvent nous transmettre une vision de « vous êtes un élève des Beaux-Arts, vous êtes une star ». On a des gens qui peuvent nous faire des cours théoriques dans lesquels ils nous désireront nous faire croire « vous êtes mes élèves, vous êtes les meilleurs ». Évidemment, on a aussi plein d'occasions comme ça qui sont en fait des caractères politiques où la sphère privée traditionnellement intervient dans le cours des études. Le prix des Amis des Beaux-Arts, c'est quand même clairement l'intervention du domaine privé dans les Beaux-Arts, un petit peu, hein, non ? Et on a d'autres comme ça, des questions prestigieuses, expositions dans des lieux prestigieux qui permettent de distribuer illégalement les chances. Comment est-ce que la distribution des chances va se faire ? Ça dépend du modèle de personnalité autoritaire. Encore aujourd'hui. C'est une école symbolique. Moi, je dirais ça, pour conclure un petit peu sur cette partie-là, je dirais c'est une école qui est symbolique d'une certaine inconscience des rapports coercitifs. C'est une école qui est symbole d'inégalité. C'est la raison pour laquelle elle est attirante, quoi. C'est parce qu'elle est symbole d'inégalité. C'est une école qui cultive l'image d'épinal illégitime de l'intellectuel à l'écoute de la nature, de la gloire triomphante, patati patata. C'est une école qui est incompatible avec l'idéal du monde de la recherche aussi, à mon sens, quoi. Parce que l'idéal du monde de la recherche, comme quoi on pourrait passer son temps à décortiquer des livres pour trouver des connaissances, ce serait plutôt du côté de la technique, du point de vue des artistes. Donc ce serait en fait une tâche basse. Donc il y a un petit peu un problème à ce niveau-là en ce moment, je pense, que tout le monde se demande un petit peu ce que ça peut devenir et personne ne sait. Et personne ne cherche apparemment à faire avancer ça. J'aimerais finir sur une anecdote quand même. Le fait que cette école est absolument pas révolutionnaire, elle ne peut pas l'être par essence. On peut parler de ça en disant que les affiches qui ont été faites en 1968 ont donné quelques décennies après lieu à des procès entre les gens qui réclamaient les droits d'auteur. Et que ça, c'est quelque chose, une anecdote qui est très parlante sur un caractère complètement réactionnaire qui est inculqué de fait par cette école. Surtout aux étudiants qui y sont réceptifs à la base. Une école donc génératrice de docilité au marché. Et petite phrase de fin, quand les révolutionnaires de palais prennent la parole pour renverser le système, que font-ils ? Ils participent à reproduire le système intermédiaire.
Ils veulent restaurer les valeurs permettant la capitalisation du pouvoir symbolique. Maintenant, puisqu'il me reste 20 minutes, je vais vous faire deux conférences musicales. La première conférence musicale aura pour sujet l'anarchisme. L'anarchisme, c'est le discours sur la légitimité institutionnelle. Alors, on pourrait se dire que l'anarchisme, c'est quelque chose comme ça. Parce que c'est un petit peu n'importe quoi. Enfin, c'est un peu la définition que nous donne Larousse. L'anarchisme, c'est l'absence d'ordre, etc. Maintenant, moi, je voulais pas aller dans ce sens-là. Je voulais vous donner une autre idée. Dire que l'anarchisme, c'est plutôt donner à chaque tendance la capacité de s'exprimer. Alors, on va dire qu'on part d'une pluralité. Une pluralité de... et que si donc on les organise, ça peut être compliqué, mais chacun peut avoir un petit peu sa voix. Alors, la critique de la légitimité des rapports de pouvoir, c'est une analyse Susposo qui ont établi les rapports de pouvoir. Je vais vous faire une petite doxographie rapide, comme ça. On a un William Godwin qui nous écrit quelque chose comme « Man as a rational being ». Lui, il dit que la société est née de nos besoins, que l'État est né de notre méchanceté, et que la société est un bien, mais que l'État est au plus un mal nécessaire. Ça, c'est pour William Godwin. On a un autre qui s'appelle Proudhon, qui lui est plutôt à ce qui était mutualisme. On m'a raconté récemment que dans le village de mon grand-père, dans le Jura, il y avait donc des horlogers, des gens qui fabriquaient des diamants, des gens qui fabriquaient des jouets en bois, et tous ces gens-là travaillaient dans des petites usines et étaient payés en coupons, et ils allaient ensuite à la coopérative. C'était comme ça, quoi, jusqu'à la crise de 29. Donc, à l'époque, la figure de l'horloger jurassien était quelque chose de très important. Originaire de là-bas, ça a pu participer, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, il a viré fédéralisme. Lui, son idée de base, c'est qu'on devrait opposer possession à propriété, la possession étant ce qu'on utilise en même temps qu'on utilise, qui nous appartient d'autant plus qu'on intervient dessus et qu'on s'en sert. Un truc qui m'intéresse pas mal chez celui-là, c'est son idée du travail collectif. Il va dire quelque chose comme regardez la colonne Vendôme. Regardez la colonne Vendôme, elle est très belle, il a suffi de 50 personnes pour la lever. Alors quand on dit ça, qu'est-ce qu'on dit? On dit que une journée, l'État français a invité 50 personnes pour soulever une énorme pierre, grosso modo. Alors lui il dit, voilà, on les a payés combien? On les a payés chacun. Le salariat, c'est quoi? On va dire qu'on a 50 personnes, on va leur donner tous la même somme. Il dit, mais alors, comment est-ce qu'on peut rendre compte du travail collectif? Parce que ça, c'est comme si on avait employé 50 fois une personne, 50 jours différents au niveau monétaire. Et il dit, le travail collectif est l'objet d'un vol. Donc ça, c'est vrai dans l'art aussi. Puisqu'on est sur un système comme ça, par exemple le système du cinéma, très intéressant, qui mettra quelqu'un tout en haut de l'échelle en disant « Voilà, lui c'est le réalisateur, c'est lui. Les autres ne sont que des esclaves, on va surtout pas laisser croire à tout le monde que tout le monde a eu une part causale importante sur la chose. » On va faire une catégorie pour que tout soit très clair. Ça, c'était du côté de Proudhon. Maintenant, on a Bakounine qui était allé lui faire des visites aux horlogers jurassiens, qui était un révolutionnaire complètement fou, terroriste, etc. Lui, il est devenu fondamentalement, je pense, anarchiste au moment où il s'est battu pratiquement avec Marx dans le cadre de la première internationale ouvrière. Ça, c'était avant la Commune de Paris, qui a quand même participé à la lexicographie et puis aux formes qu'on voit aujourd'hui pour parler de communisme. La Commune de Paris. Donc avant la Commune de Paris, il y avait la première internationale ouvrière. La première internationale ouvrière où dedans il y avait Marx et Bakounine. Bakounine reprochant à Marx qu'il était dogmatique, qu'il avait une théorie qui était héritée de Hegel en plus, qu'elle était très dogmatique pour simplifier, et en plus il voulait que tout le monde la suive. Donc
Marx s'est chargé de ça et a renvoyé Bakounine, qui donc a pu avoir sa carrière de révolutionnaire. Et lui, bon, une petite citation comme ça, il dit que « Je suis libre à proportion que ceux qui m'en font le sont ». Donc voilà, petite leçon morale comme ça. On a quelqu'un comme Kropotkin, lui, qui est très intéressant, puisqu'il essaie de développer un modèle scientifique à l'anarchisme. Le modèle scientifique, c'est quelque chose comme... lui, il était géographe et il s'intéressait beaucoup à la biologie. Il aurait été très content en fait, de trouver un substrat neuronal, quelque chose comme ça, pour rendre compte de l'anarchisme et de la possibilité à s'auto-organiser des êtres humains. On a aussi Max Stirner qui nous intéresse particulièrement puisqu'il a développé un art. Alors lui, c'est anarchisme individualiste. Tout à l'heure, j'ai parlé beaucoup d'individualisme et tout. Et ça, c'est un peu le temps pour imaginer une autre théorie d'individualisme qui ne se ferait pas aux dépens et au détriment d'autrui, mais qui serait quand même basée sur la souveraineté du moi. Je ne continue pas parce que c'est vraiment très 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 compliqué. Même si ça serait un petit peu trop long. Oui, c'est ça. On a quelqu'un comme Noam Chomsky, qui lui, à mon avis, est le symbole, ce qu'on se rappellera en fait toujours, quant au refus de lier la linguistique et la politique. Alors, je veux dire, c'est quelqu'un qui, quand même, a été très actif sur le plan des neurosciences et sur l'opinion publique actuelle. On peut se demander pourquoi il n'a jamais voulu établir de lien entre la sémantique, son idée, c'est que la sémantique est. De façon innée et que les langages apparaissent simultanément car il y a des structures préexistantes. Et pourquoi est-ce que ça, ce serait pas, il ne serait pas capable de le mettre en lien, je ne sais pas pourquoi et ça m'énerve. Voilà. Voilà pour la première conférence musicale. Ma deuxième conférence musicale, ça va être sur l'éliminativisme. L'éliminativisme, c'est une tendance philosophique, c'est une espèce de sous-partie de la philosophie de l'esprit qui m'intéresse parce que je m'intéresse beaucoup au matérialisme et au déterminisme et à tout ce qui pourrait être, on va dire, en dehors du cadre de la morale, mais qui pourrait nous donner des solutions pratiques. Du coup, l'éliminativisme, moi, celui qui m'intéresse le plus dans ces gens-là, c'est mon pote Thierry Rabet, qui est auteur de. Livre auquel il présente sa théorie de l'anarchisme méthodologique. L'anarchisme méthodologique, c'est l'idée que, en fait, on aurait tout intérêt, à la place d'avoir un processus scientifique très compliqué, à faire n'importe quoi. Et on pourrait vraiment arriver à des résultats plus intéressants. La raison pour laquelle il dit ça, et ce qui m'intéresse dans le cadre de ce discours, c'est que quand même, il a été très critiqué par les anarchistes. Il a été très critiqué pour lui par les anarchistes parce qu'il est dénonciateur d'une espèce de forme de cristallisation, une forme du savoir, c'est-à-dire de dogmatisme, au sens où la science serait quelque chose d'abouti, quelque chose de fini, quelque chose de finalisé. Chez les éliminativistes, c'est très important puisque ce qu'on appelle amour, ce qu'on appelle croyance, ce qu'on appelle désir, c'est des choses qui pour eux n'existent absolument pas. Dans le sens où, en fait, on devrait tout rassembler sur une forme de modification qui serait éliminative. Je reprends. Éliminativisme, ça veut dire qu'on va éliminer quelque chose. Ça veut dire qu'à un moment donné, on sera quand même capable, avec la science, de parvenir à éliminer l'astrologie. Comme on a été capable d'éliminer la physiognomonie, l'idée que en mesurant le crâne de quelqu'un, on pourrait savoir comment est structuré son esprit. Donc on a réussi à se débarrasser de ça, cette pseudo-science a été démasquée et éliminée, donc éliminativisme. Donc si je reprends mon plan, il faut que j'élimine les temps. Voilà. Je vais avoir les temps, comme ça on passe de 8 à 7. Et voilà, je vais éliminer. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ensuite à propos de cette histoire de croyance? Ils disent que bon, les croyances n'existent pas. L'amour n'existe pas, en fait, ce qu'on appelle amour, c'est un ensemble de processus très compliqués qui font appel à des dizaines de modules différents du cerveau, mais qui ne se rassemblent pas du tout sous
mon sens, une grande diversité de tous ces phénomènes-là, donc on peut parler de l'autre. Du coup, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut qu'on arrête de parler d'un nombre plutôt d'activation de certaines aires du cerveau, etc. Ce sont des extrémistes absolus de l'explication scientifique. Et moi, ce qui m'intéresse le plus avec eux, c'est qu'ils ont ce Paul Feyerabend qui nous dit que l'expérimentation doit être au centre. Alors, évidemment, lui, il parle de science, mais je pense qu'on pourrait transposer la chose à l'art. On pourrait très bien dire que voilà, on est à un point où il faut renouveler un petit peu les paradigmes dans lesquels on croupit depuis quelques centaines d'années, et que pour ça, on devrait abandonner les méthodes. Ça, à mon avis, ça procède directement de la prise de conscience globalisée qu'il faut cesser de distinguer la technique de l'art, puisque, en fait, même les tâches du cerveau les plus compliquées sont des tâches finalement techniques. Donc si on arrive avec un seul concept de valeur, valeur intellectuelle, valeur artistique, valeur économique, à centraliser tout ça, on pourrait en tout cas procéder à des expérimentations sincères. Parce que maintenant, ce qu'on a, c'est des expérimentations que j'appellerais non sincères, dans le sens où elles sont infalsifiables, tout comme la psychanalyse. Aucune tentative ne peut être évaluée et on ne pourrait jamais donner une grille de lecture, en fait, qui permettent de rendre compte de l'intégralité des choses. Donc, par contre, ce qu'on devrait faire, c'est abandonner complètement toute hypothèse de possibilité de méthode et dire que pendant le temps de la formation, on devrait expérimenter. Et ça, voilà, j'avais écrit une petite phrase de fin. L'expérimentation doit détourner, contrarier, contourner la tradition et non la reproduire. Un truc comme ça, un petit peu démagogue pour la fin. Question à la référence, oui, ça c'est quand même pour finir sur une note négative. On est dans un monde où la référence fait tout. On a quelque chose, un phénomène assez intéressant qui est que dès le moment où quelqu'un va donner une référence, dire moi je m'inspire de nous. En fait, c'est un processus qui est très fréquent et qui est appris dès les écoles préparatoires, évidemment. De dire oui, moi j'ai fait comme lui, donc j'ai autant de valeur en fait. J'ai juste pas de valeur sur le marché, mais en fait, esthétiquement j'ai de la valeur. Parce que je me souviens de lui, il y a une affinité psychologique, il y a quelque chose. Et cette façon-là de s'octroyer un espèce d'héritage symbolique,
Bye.